Mbote na bino nyonso, ngai Joyce Bonoa. Landa Congo dialogue po yemba nyonso ya Congo. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue, téléspectateurs, fidèles amis internautes, vous avez branché connecté na Congo dialogue. Merci de choisir le programme au Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance rencontrent avec moi, Josué Boloa, l'international en direct de l'Afrique du Sud, le pays de Mandela. Merci Nabatan Souzo Pesabiso. Nous sommes encore de retour, Naba Petit Écran Abino, juste pour la remettre nos réflexions et puis connaissances, n'est-ce pas? Et si vous voulez aussi participer, ça c'est une interpellation à vous qui êtes de passage en Afrique du Sud, Tobozali Bande, Mboka, Diaspora, Bolinko, Lekana, Spal, Naplato, Nabiso, il y a Espace Dialogue, le niveau à congodialogue.com. Vous êtes la bienvenue, vous contactez, vous numéro petit écran. Voilà, 58 ans après l'indépendance 1960, l'île en 2018, la RDC célèbre ses 58 ans d'indépendance. Est-ce que réellement la RDC est indépendante, ou c'est un pays indépendant ou un État indépendant? Ça, c'est la grande question aux deux heures se poser. Maintenant, quelle est l'indépendance? Comment je m'excuse, on peut célébrer cette indépendance, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons le droit réellement de célébrer l'indépendance? Et quel est l'apport de l'Église des réveils aujourd'hui par rapport à l'indépendance il y a Congo 58 ans après? Et qu'est-ce que l'Église des réveils a apporté? Nos pères, quand je cite, je vois, il y a Asimo Kimbangu, il y a Lumumba, il y a Lemoloto, il y a Aïdina Bala. Ce sont ces gens qui, bien sûr, ont apporté un réveil, n'est-ce pas, mouvement Mokwe Makasi dans le monde ecclésiastique. Alors, je vais vous proposer un élément, une interview dans Zouakina, un homme de Dieu. Lui, il n'est pas pasteur ni prophète, il est juste sacrificateur à la personne de M. Aïdi Kabala dans le niveau Afrique du Sud. Abo Kapé, réaction à par rapport à l'indépendance, il y a RDC. Où en sommes-nous? Où est-ce que nous sommes venus? Église, place Nangwezanini par rapport à l'indépendance RDC. Église, Ezokende Wapi. Église, Bungi, place Nini, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église continue toujours comme ça, Moussala Nango, pour réellement RDC et continuer à célébrer l'indépendance Nango? Alors, je vais vous proposer ce clip. Donc, grand merci Nabino. Par rapport à sa réaction, beaucoup, si vous voulez contribuer, vous pouvez vous la bienvenue. Le numéro que vous allez afficher bientôt dans ma petite écran. Merci, la grand prêtre mère Francine Gembe de la Belgique, la coordinatrice. Grand prêtre mère, dans Boyo Kaba Bombami, Église, Toza Wapi, par rapport à l'indépendance en Bokanabiso. Suivez cet élément. On va se retrouver la fois prochaine. Merci. Bye. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Salutations et une présentation à la téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Amen. Na pesi bango mbote na komo na Yesu. Lokola ba mona ke longio yo na zongi po na mbala mibale na kamera na yo papa Boloa. Na date eza spécial d'ailleurs parce que mboka ezo ko célébrer 58e anniversaire de l'indépendance, et tant que moko ya libanga na kati ya corps du Christ, je ne vois pas ce que je peux parler, même dans mon culte ya dimanche chez Zalanamiko, si ce n'est que de parler d'abord sur la valeur de l'homme de Dieu face à la réalité que notre pays traverse, surtout dans les cours de l'indépendance. Quel sera mon message nena moko na lelo na sana sena kamera oyo na pesina no mbote na bana na nzambe nyoso bazokola ndangai et puis na peuple mubimba po mona na nzambe zaka ka chrétien te ali biso nyoso na pesi biso nyoso mbote na komona Yesu. Oui, ya wezali motumbi mbeka kabala IG kabala motumbi mbeka ngana za ka sacrificateur na li mon nzambe soki boyoki eta telemisa ata mabanga ndokwa ne leko azongisi lisusu eleko ya bato mimbeka eza moko ya bato mimbeka le sacrificateur Aji Kabala nde naza na micro boy. Bon, na koloba boye, je serai un peu bilingue, na koloba boye. Un pays n'est pas bâti avec le minerai. Richesse mokote yamboka et tonga kamboka. Et loko tonga kamboka ezaba héritage spirituel de tonga kamboka. Un pays s'est bâti par l'héritage spirituel et des potentialités spirituelles dont l'Éternel a déversé
au travers des hommes. Tant que dans la Bible, Abraham a rencontré un Dieu que ni ses pères, ni lui n'avaient connu. Ça dit, Dieu avait besoin, n'est-ce pas, de bénir une terre. Alors la bénédiction d'une terre n'est pas sans un homme. Alors Zamba Kobandako Tambola na Abraham. Abraham va devenir, n'est-ce pas, la source de la bénédiction d'Israël. La source, n'est-ce pas, de la bénédiction de cette nation dont nous appelons Israël. Nous allons voir que Abraham a accueilli Abimisi Mwana. Mwana na yemoko, na kombo ya Isaac. Isaac a accueilli Jacob a telemi. Kikoloba que Abraham, ndeye a commis, n'est-ce pas, il est devenu la source de la bénédiction de ce grand pays Israël. La Bible est toujours là pour nous aider à comprendre et si kabatu bautaka na nzambe pesika batbazo ke na nzambe nzamba zala kana est neutre bana kongwe bongi baye ba Dieu est neutre. Dieu est le Dieu de tout le monde qui lui adore. Nzamba zala kana parti prité. Vous allez lire la Bible bien à tout moment qu'Israël avait l'arche et que l'arche était arrachée par quelques personnes, si ces personnes là prenaient le sacrificateur batumbi mbeka pe bakena bango et que balobi batumbe la même nzambe mbeka nzamba zao répondre ba ona arche na bango te. Faites attention avec Elohim. Tango David azalaka kukima azuko kima lobi azukima na batumbi mbeka na arche loko ya za kubangela yango wana ayebaki ke soki bapaya bazui arche na batumbi mbeka ngai David na sambo. Alors nous devons comprendre dans ces temps très prophétique que la RDC est en train de traverser, quelle est notre part étant serviteur et quelle est la part de l'Église. Moi, je crois, en cette journée, je voudrais parler dans ces micros, je voudrais parler un peu des secrets doctrinaux, des secrets que le Seigneur nous a donnés afin que nous puissions amener ce pays tous. Parce que nous croyons que richesse kakayangote yambokande kupambola mboka wana. Parce que aussi longtemps que la parole d'un homme qui est loin n'est pas reconnue sur une terre, peuple on est kokende sikate. Nous devons comprendre ces choses dans notre pays. Avec tous les années que nous avions eues, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans notre pays? Nous croyons que le système de l'Église a été bafoué. Je crois infiniment que l'héritage spirituel n'a pas été respecté. Voilà pourquoi tu commis place, tu commis. Je vais retourner au Père. Israël ne pouvait rien faire sans les pères, sans reconnaître la valeur des pères que Dieu avait placés. Parce que dans des pères, il y a l'héritage spirituel pour la continuité d'un pays. Bisotoza bato réveil. Quand Dieu a amené les vents de réveil, qui est-ce que Dieu avait donné l'appel? C'est ça le problème pour ce pays. Quand Dieu, n'est-ce pas, voulait parler de la RDC, est-ce que Nzamba bengaka prophète mon côté? Non. La Bible dit, je susciterai au milieu de vous un prophète qui sera votre frère. Mon problème est avec le Congolais. Reconnaissez-vous, quel est le prophète que Dieu avait donné? Les mandats que Dieu avait donné, l'héritage, que ce soit politique. Parce que vous pouvez voir les hommes politiques échouer. Les bossons abisotoza komona. Combien de fois les hommes politiques échouent? Est-ce qu'ils ne sont pas intelligents? Non, les Congolais sont intelligents. Il y a un problème. Aussi longtemps que l'héritage spirituel politique n'est pas connu, je ne crois même pas que ces hommes politiques vont faire quelque chose. Aussi longtemps, l'héritage intellectuel de l'économie, de la création, de l'invention n'est pas connu dans notre peuple, nous n'irons nulle part. Le temps est venu. Peuple bantou, comme Congolais, je parle en particulier, baye ba valeur pe responsabilité na bango spirituelle. Parce que moto ko koma kakaka oyo moli monaye ezali. C'est ça de valeur. C'est là où on a l'écho et indépendance, je crois, étant serviteur. Parce qu'on dit serviteur, les gens croient, il faut na beta maboko yawe na bibele. Non, mes frères, serviteur de Dieu veut dire quoi? Veut dire établi pour continuer l'ordre de Dieu sur terre. Pensez à Nzambe Zalakani. Ezaka moto a dirigé. Dieu n'avait pas créé des présidents, non pas des rois. Sa pensée, c'était que l'homme dirige. Ça dit tout homme a l'habilité de diriger. C'est ça la pensée de Dieu. Si quand on tolongwe liboso na Nzambe, moto a komi kote pa te pa. Yango molimo ezongela kabatu songolo nengo tangaka na Bible, David était loin, non pas pour diriger une église. David était loin pour diriger un pays. C'est ça. Saul était loin pour diriger un pays. C'est ça. Josué était loin comme militaire. Josué otoganga ka soldat.
Joshua la rassoda. Nous avons besoin de reconnaître ces valeurs. Popeto kenena mboka, lolenge totali esika mboka ezoko tambola. Nous étant serviteurs, biso lokwa batumbimbeka. Tozonga, tobandela oyo tatalinga kitosala. Parce que soki otali malam, mboka ezoka réponse te, soki batumbimbeka te. Israël, yambu Israël, la sale loko nyonso bazoko ya okonsulte batumbimbeka. Bango bakokota. Bako sala mbeka ya munene. Nasi mbeka wana bako konsulte siko yonza. Nde nzambe elohi makoloba boendi yonandimi. Bo sale loko bote bo sale loko boite. C'était ça les valeurs d'Israël ancien. Mais de nos jours, nous avons fait de Dieu un religieux. Dieu n'est pas un religieux. Nzambe ali source ya makamu nyonso. Mayele nyonso ya mokile ya linza. Aujourd'hui, les gens croient ce que côté na science moko songolo, des sciences ponaka ba président. Ce côté na science moko songolo, des ponaka ba ministre. Ce côté na science songolo, des ponaka ba PDG. L'homme est même perdu. Même le chrétien croit que pour diriger, il faut s'adhérer à une certaine science. C'est pas non, c'est faux et archi faux. La gestion, le pouvoir nous a été donné. Quand Christ est venu, la Bible dit, il a pris le pouvoir, il nous a donné le pouvoir. Quel est ce pouvoir? C'était de dominer, c'était de gérer comme en Éden. Alors moi je crois pour Namboka ya Congo, Neleko Oyo, Nakuzana na message moko très spirituel, rebâtir le base spirituel. Retrouver, n'est-ce pas, la position spirituelle du Congolais. Parce qu'on ne peut pas diriger ce pays si on ne retrouve pas notre position spirituelle. Mabele nkita, mabele ezalakana bokonzi na yango. Mabele ezalakana bokonzi na yango. Aussi longtemps bokonzi ya mabele bungi. Aussi longtemps bato batiaka po bango ba mataka ko contrôler ba continuer, n'est-ce pas, génération tout héritage ya ko kamba mboka spirituellement baza kolala mboka moto koyiba pouvoir. Alors nous devons comprendre pendant que nous sommes en train de traverser, c'est très stratégique. C'est une époque très stratégique. Je n'ai pas un problème ni avec le sorcier ni avec les patins. Mutozo salabisi masimana ya muke na Congo motonyo soza na believe na ye. La Bible nous dit David, Daniel était le chef de tous les magiciens de Babylone. Ça dit bangangakis batonyo so solo ka bafanda ka zinga zinga ya Daniel pona kogumba melanzambe ya Daniel. En d'autres termes, spiritualité ya Daniel ezalaki likolo. Alors même mboka lokola Babylone elingaki Daniel pon kita po pays wana Babylone efulukama. Peu importe les richesses qu'il y avait dans ce pays, on avait besoin d'une source spirituelle. De la même manière, l'Égypte a eu besoin de Joseph comme étant la source d'Abraham. Pour Égypte, pas moi, Mathé pour Joseph. Égypte, pas moi, pour Abraham. Bilaké, ça y Abraham. Le col à Koko et Abraham, à la Kina Mabelewana, automatiquement. A couper sa bango ba secret spirituel. Mboke ko fulu kama. Alors, c'est ce que j'ai besoin, étant qu'enfants de Dieu tous, que nous puissions comprendre. Rôle nabi so important, étant que basali nanza, na eleko oye indépendance pour na pays, rôle nabi so ekozala, nini, naza koume ma kozung sa mabanga mikie, 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 potoye ba lolenge toko ken. Malobeze pa na yo. Merci beaucoup, oui, au lobby, ça y a solo na ko proférer na loba makamo awa na caméra na yo. Il y a pas un pays en Afrique oyo leki mabele ya Congo na puissance spirituelle na zoko bandela. Mabele mo côté oza ko incarner nzambe ko le kabiso na Afrique. Bato bako kanga ba kama lokambo. So ki oza ko luka archi alliance spirituellement. Le Congo incarne l'arche de l'alliance de l'Éternel. Nazolo bama kambu prophétique. Pays wana ngai misu nange fungwa mana mona arche alliance kiti na mboka wana.
misunanga fungwama na mona nkosi ya zoko baluka na kati ya Afrika ayeko telema na kati ya Afrika na centre na peyi nanga telemi ya zoko ganga munoko mnene voa fungoli mbanga ya mnene. J'étais choqué de voir le lion crier au centre de l'Afrique dans mon pays. Pendant que les gens ne comprennent pas, c'est parce que les hommes sont en train de refuser de rentrer dans le source. Papa, ba source c'est Zaba Père, Nazolo Bawa. Yoza église de réveil. Réveil est outi wapi, c'est ça mon problème. Quand le réveil a commencé, renseigne-toi qui a reçu la parole du réveil dans ce grand pays. C'est lui que Dieu avait donné les promesses. Ozo luka yon mission place msusu kojwa yangote. Oko meme la biso bilo kwa pambala pambala eko bomamboka. Li kamwe bomimbo keza ya solo. Parce que nous étant serviteurs, nous ne donnons plus confiance à la terre. Nous croyons que Dieu n'est plus sûr dans notre terre. Quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres 17, 24 à 26, qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? Vous trouvez l'Éternel dit, il a limité, il a placé des bornes de chaque nation. C'est-à-dire, Zambende a tié ba limite na ba borne yambo kanyos. Le lenge pape sa biso limite ya ma belen na biso a Congo. Ce qu'il a planté dans ce pays, na ko peso signe simple. Biso oko zana libanda. O sali miziki na yon États-Unis, to na France, to awa na Afrique du Sud. Na moto a sali album na Congo. Pona nini album ya Congo ko beta ngon église na yo. Awa libanda, bino bat bo sali banzemuli, awa libande ko beta ma na Congo te. Parce que bozana source te, je voudrais ouvrir des sources spirituelles. Source Nabi Souezawana. La Bible disait à tout moment Israël était loin, ses yeux devaient être retournés pour faire son pays. Parce que c'est de là que la chose sortait. Batubongi va comprendre. Cessez de suivre l'Éternel Lokola, Motobazo Lakso ABC. Non, fais confiance au Seigneur qu'il t'apprenne. Ma belle wana ya Congo. Et Ali Mboka Mosusu, où est-ce qu'on incarne Zambé? Ça incarne Dieu et ce pays. Je parle d'Adina Bal. Je parle de Simon Kimba. Et je parle d'Alain Moloto. Les réveils politiques, parce que la politique est liée au spirituel. Kimba était un homme spirituel. Un homme spirituel, un prophète du temps et de nation. Le prophète a dit qu'il était un homme spirituel. Il a dit qu'il était un homme ordre bongeza. Nzamba koti saka prophète neleko. Et le quoi koti makambo akosale ko fini kabambu le belé. Cet homme parlait avec l'onction politique. Mais c'est lui. Est-ce que boyoki? Est-ce que boluki koyeba makambo o nkola lobaka na en kuku? Té. Adina bal. Église nous sotozo te yande tibiso ngai na telemiao. Ngai na yebaka makambo réveil. Nanya kobeta tula ibaka makambo réveil. Adina bala zungolu. Kolo ala musie na mabele ya Congo. Aye na réveil. Mais bino boza déconnecté bokamati Adina bala bopesi na Nzambe malam. Bokamati kimbang bopesi na kintuati. Bokamati l'émolo. Parce que un pays ne peut pas se rebâtir si l'adoration n'a pas commencé. L'adoration sont les valeurs sacerdotales que l'Éternel a besoin. Ils ont la capacité parfaite, na ensemble. Ce que tali ordre yanzan, bazala ki na ma beaucoup bois simbi parfait, koto ensemble, zai ko simbi sango toujours aron. Pour nani nzamba koyo kayote, ce qui adoration matite. C'était ça les valeurs. Ndembongo, moto qui taka pambate, moto qui taka lorsque biloko wana e fandi. Mbeka telemi, zamba ndimi, akitisi moto. La réponse, c'est ça le feu. Aussi longtemps, il n'y a pas d'abord l'encens. Il n'y a pas le parfum. Et qu'est-ce que vous attendez avec le feu? Moto koyawa, puis réponse, c'est kozalate pour nambo kanabiso. Sacrificateur, donc, nous rappelons à la serviteur, la zone à la vision, la limite, la zone à la valeur, oyo, simo qui m'a été la balle, les bonabiso, les moloto, par mes mains, nous avons utilisé qui m'a. Ce sont les trois personnes du temps jusqu'aujourd'hui dans ce pays. Il n'y a pas autre personne. Papa, on ne verra jamais la délivrance de cette nation si nous ne reconnaissons pas des corps incarnés. Jésus, Jésus. Jésus, yomona Jésus.
Nani na Congo na mona Jésus afana na Yesu. Ce sont des rêves. Jésus ce notre maître, mais il était venu dans la chair. Bato baboya kaye na nzoto basukite. Basukat. C'est ça le secret de Dieu. D'abord, il y a eu trois descentes. La première descente, vous allez voir dans la Bible. La Bible dit ceci. Quand Dieu plaça l'homme en Éden, il le plaça avec des arbres. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et sa ressemblance. Il y a deux choses. Il y a l'image et la ressemblance. Or, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Quand il dit image, il veut parler de quoi? Il parle de l'ADN, le sang. Quand il parle de la ressemblance, il parle de quoi? Il veut parler du caractère. Les deux choses qui font qu'un homme puisse être un homme d'une personne, c'est l'ADN et le caractère. Tu peux avoir l'ADN d'une personne, c'est-à-dire tu es son enfant, par image, mais pas par caractère. Parce que quand tu vivras avec tes amis, et qu'à l'équipe, beaucoup peut se moquer, mon fils, mais on regarde les caractères, on ne sent pas le caractère de toi, on dira c'est ton fils, mais il ne te ressemble pas. Pendant que l'ongeza yayo. Donc la pensée de Dieu était que l'homme soit complètement lui. Maintenant, quand l'homme était en Éden, Dieu dit à l'homme, tu mangeras tous les arbres. En d'autres termes, tu seras instruite de tous ces messagers. Mais il y avait un messager gardé qu'on appelle l'arbre de vie, qui est Christ quand il est venu se révéler. Quand Christ était là, Christ n'était pas révélé à cette époque, qu'est-ce qui est venu se révéler dans notre époque. Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là, dont Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger. Je ne vais pas parler sur ça pour l'instant, je vais développer. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Lorsque l'homme a fui loin de la présence de Dieu, Dieu va dire quoi? Empêchons-les maintenant d'accéder vers l'arbre de la vie, afin qu'ils ne vivent éternellement. Et Dieu va prendre l'épée flamboyante, va les placer entre les mains des anges. Ce sont des chérubins qui protégeaient, n'est-ce pas, le chemin. En d'autres termes, le message a été remis dans la main des anges. Yango bomona kanele koyakala, banjelu bazalaka kokita. Kokita kopé sa message. Je te salue, malheur, pesa na yo, patati patata. Po ezalaki eloko banda Eden ba pesa ki bango. Soko ke na Ephésiens ndazoko expliquer, l'épée représente la parole de l'Éternel. Après ce temps-là, Dieu va utiliser les prophètes. Tango longwe leko ya ba angelo ayeko zwa ba prophètes. Les prophètes c'était des gens mis à part. Soko landi mbotama na bango, bazaka obotama bizarrement. Pardon, ils avaient une vie très différente. On suivait ba maman na bango bako isa bango keba. Ne le koboyi. Okokumba zembi keba ko simba boete ko simba boete. Parce que Dieu ne descend pas normalement, il doit limiter et placer des interdits ici ka kokota. Après cela, lo la yeko zwa décision, Jean Monaka décision lo la ebongi moto akita. Dieu va rentrer na carte na ye yakala. Carte akala zalaka na keli moto. Motonde facile sa makamonios. C'est ça le secret de Dieu. L'homme de Dieu. Et l'homme qui est choqué, il y a plus de trois personnages au Tangel Bissorana. Ma père, au Lélo, va entre guillemets, mais ma serviteur, au Bino Bossaniba. Message de mon poussé à Moko Tanabossé ou Soussou. Qu'est-ce qu'il faut faire dans 58 ans au Ego Copé sans ma serviteur? Dans mon poussé. Bassou, il a passé, il a pas de c'est moi qui m'a mou. Au Batiké, le monde, le Batiké, le plus, qui m'a guissé. Adi n'a pas la pression, pas dans ma lame. Allez, mon loto, ils ont un groupe à tout le monde, dans la musique. Papa, nabani a moloto, moloto a un moyen bité, y a ce que les gens ne comprennent pas. Ngai on a zolo, ba mam na zolo, bo soko pesi nga guitar, nabani ko beta guitar, malobo na tia on a rythme, eko komanze mbote. Mais quand la Bible parle en Apocalypse, il y a des sons de trompettes. Il faut tous aller à la bataille spirituelle pour te comprendre. La Bible dit en Apocalypse, les sons des trompettes et bêti. Trompette et bêta ka ngwa loko l'instrument. Bisomoko bate itolobaka toza ba instrument ya nzambe nzambazo sels. Instrument beta kanine, musique te. Mais c'est ça, Moloto n'était pas chantre comme vous le voyez. Moloto est en train de libérer un message, Moloto criait, c'est un nègre qui criait. Azako bwa kalolaka pona eleko na biso to capter que to komine eleko oyo ebongi poto kango la mboka il faut adoration zonga na mesa. C'est la seule chose qu'il disait. Parce que Kimango est venu pour parler de cette délivrance que nous appelons l'indépendance. À cette saison-là, il a libéré, il est passé. Après ça, Adina Bala Koti, Adina Bala Memi Libiso, Otobengi, sanctification, Kobanga Nzam.
Mais c'est après Molo tu vas venir nous parler maintenant de l'adoration. Vous allez sentir les trois descentes de ces personnes. Il faut être prophétique pour comprendre cela. Des places dans Zoloba et Bongito zo incarnation. Papa, le show de Dieu c'est l'incarnation et l'esprit des personnes. L'esprit de Kimbangu, l'esprit de Moloto et l'esprit de Nadine Abala. Si cela ne fonctionne pas encore jusqu'à aujourd'hui, nous allons continuer à arriver jusqu'à 60 ans d'indépendance. Non, je ne vais pas voir, ce sont nos aînés que je respecte beaucoup, et, mais j'ai fait mon travail, seulement j'aimerais dire ceci. La Bible dit ceci, ne détruisez pas les bornes dont vos pères ont posé. Ils connaissent avec moi ces versets bibliques, vous comprenez. Ce sont nos aînés dans cette saison qui portent la charge qui a été léguée par nos pères. C'est ça la vraie version, vous comprenez. Dans cette saison, ils peuvent continuer le travail. Mais ils savent avec moi que ces pays-là, spirituellement, il y a des personnes qui avaient reçu des choses spéciales dont eux-mêmes gardent aussi le même secret. Donc nous tous ensemble, nous devons suivre. L'homme de Dieu, maintenant, en tant que sacrificateur, l'avenir est RDC. Ne parlons même pas des élections parce qu'ils nous ont plus dans l'aspect spirituel. Les amis, tous les amis, ils nous passent dans un peu peuple de Bazola, un PPK qui nous a fait. Tous les amis, ils nous ont mis sur le Nakolobaboué. Ce qui est vrai, le secret d'un pays est bandaka spirituel. Mokilozo monoy est banda spirituellement. Comme physique et Zalakate, il y a que deux mondes, il y a l'invisible et le visible. Cependant, le visible soutenu par l'invisible, l'invisible, c'est là où tout esprit réside, l'invisible, c'est là où la force est. Motonions na katia mbok ne peut rien faire. Ce qui spiritualité na yematite, spiritualité ne me makamoto isika l'homme. A la capacité de tout faire, je parle à mes frères congolais. Tango koki ya kotika koloba, zambe kita, zambe sala. Le secret de Dieu est lié à l'homme. Je l'ai dit ici. Dieu sans l'homme ne pouvait rien faire sans l'homme. Zamba kela mokilinaye, akamata mutwatiye mokunzia makam. Po asi kola mokilioyo, asale lanzetete, moi j'étais, libangate. La Bible dit, Jésus dit, tu m'as formé un corps afin que j'accomplisse ta volonté, ô Éternel. L'accomplissement de la volonté est dans le corps et dans l'homme. La Bible dit ceci, Dieu créa l'homme et le septième jour, Dieu se reposa. La Bible ne dit pas, Dieu accomplit. La Bible dit, Dieu se reposa. Une façon pour dire, l'accomplissement, je la réserve à l'homme. Mais lorsqu'un homme est entré sur la terre, il a pleuré, nous avons vu sur la croix. Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est-à-dire, celui qui était sur la croix n'était pas Dieu. Parce que tu peux être plus spirituel que Dieu pendant que tu me suis, pour dire que Jésus était sur la croix étant que Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut pas mourir. Un Dieu ne peut pas pleurer. Celui qui pleurait, c'est fille un homme. Celui qui pleurait, c'est fille une personne. Et lorsqu'il est monté, il dit, Père, tout est accompli. En d'autres termes, quand vous rentrez d'abord, il a voulu fuir aussi l'accomplissement, comme toi et moi, Congolais, aujourd'hui. Nous refusons Tozoboya, accomplissement, Yakomema charge et Telemibiso. Il est parti sur la montagne pleurer dans la prière afin que Dieu épargne cela. Mais Dieu n'a pas épargné cela. Et la Bible dit, il y a deux personnes qui sont venues, Élie et Moïse. Pourquoi? Batomi Balo, Bazaka, Makasi, Mebeshua. Élie a échoué, Moïse a échoué. Place Moïse à Zalaka, Nzelezate. Place Élie à Zalaka, Nzelezate. Baye koye bisaye, soki yo po boyao, totikali baumbu libela libela. Il faut continuer. Et il va monter sur la croix, il va dire tout est accompli. En d'autres termes, je termine. Le problème de l'homme, je le termine. Pour mon pays, je crois qu'il n'y a que le Congolais qui peuvent monter spirituellement. Namote Maya Bolingo. Parce que celui qui ne peut pas donner sa vie pour les autres, mon Konzalobaki Nabisu,
Moi, je donne ma vie. Mais que tout le monde soit capable de donner sa vie pour les autres. Ce côté les pays aux États-Unis, les pays aux France, ils sont capables de couper sa vie na bango pour sauver leur nation des années et des années. Ce qui est bien, na koloba na yo makama molimo, moto akufa kate. Kimbango akufa te, moloto akufa te, adina bala akufa te. Ba kufa na bango te. Baza vivant. Comment? Avant la mort comme après la mort, c'est la vie. Et c'est ça la vérité. Avant la mort comme après la mort, c'est la vie. L'homme a été créé comme Dieu pour vivre éternellement. Seulement, nous autres, nous avons un état date d'expiration. Quand ça expire, moto ako forcé expiration en do yanzoto ako beto massage ako provoquer un poison a expiré nzoto no même yo moko moto bimi na yo ozu ya identité no continuer ko vivre mais malheur na moto sala kama kamona tu vas continuer me ko banda ko funda ye pa inanza parce que la Bible dit il y a le sang de saints qui crie vengeance boke baba na ya Congo boke tous à la battue spirituelle bamboka mususu bazana capacité à kozwa vie na bango. Soyez qu'on se sacrifie pour notre pays, qu'on se sacrifie dans ma dans l'olenge nyonce pour na ko pousse mboka parce que na façon zamba que la moto. L'homme de Dieu est lié au combat. Dieu soko ko funda pa na nzambe muto zo bundisa yo nzambe moya ko tango za la kate parce que nature na ye yango wana. Ezabisa le na ye. Zamba za la ka mobundi. C'est son caractère. Yonanga bato baza scientifique baza koyeba ke semence nyonso mobali ya portaka soka koti on nzoto ya mwasi yambo eya moto na kati na yango babunda kanangu na kati na bango moto akoganye ndi akoya isa yongana yo ngana yo yamboto ya to bunda to boma baninga poto yao poko loba na boy ko bunda me yo bunda avant yawe oya wandenye po bunda nzamba tikla biso choix nous devons nous battre lié à notre nature à notre source dans toute espèce de forme. C'est le moment que ce peuple se lève spirituellement, physiquement, matériellement, dans tous les domaines, afin de remettre bison à côté, na biso batumbi meka, naza na mobembo kota na lolenge, to bandela ordre ya sacerdoce ya nzam, na bakulutu, pote to tumbela nzambe mbeka ya milimo. So ki mbeka milimo mati, molinge mati. Solo mati moto kiti bato bakozana na se bakozwa makasi poto kende to sikolambuka nzamba pamoto. Merci beaucoup l'homme de Dieu. N'invite pas dans les lotos pour qu'il consulte à avoir pour la ministère de la qui n'a pas les 30 juin et puis indépendant 58 ans. C'est une allégorie de la Nzambe, batelima spirituellement. Bon, on va conduire Bazana Kati sur place. Gouvernement est au Kambamboka. On va s'en avoir innocent. On va se la carte victime qui est habituée à mouler au salon va quitter. Baza, bazali, ba innocente. Ce qui bakoyo kangai, na koyib sabango boy. Na chaque moment, mboka et tambolaka, bison d'église to kotsaka trouble na mitou na bango. Bokonzio bozani nango, et ou te pa inabiso, batumimbek. Bokonzio bino bozanango, et ou te pa inabiso bakonzambek. Kolungwana bino pe na bokonz, et ko te pa inabiso batumimbek. Mais bopo sanate, ke na siya mokile. Bisonyo somo to tika la kawa ala kate nanzoto tolekaka eloko tika la biso eza kombo kombo nde tika la le loso ki tozo tanga bible tozo tanga ka ba kombo Abraham Moïse me bazomo nanate c'était dans la vie d'un homme c'est le nom qui reste. Est-ce que après votre règne après votre gestion le nom restera? C'est le moment mayele mata boye bake eza mboka ba pesa bino eza mboka na yo na mboka na ngai. Okoko tambusa ou pas, j'ai été placé sacrificateur et pas inanza. Ngai batenga likolo batenga na makambute, jamais boko mona ngana ke koluka ko sala musala na mboka. Po batenga na zana mabele na mboka wanate. Nga na zali peuple à part na sacerdoce. Musala ba pesinga yango. Soki na zongi si ba valeur sacerdotale te, yoko sala erreur yozo ko taka mboka et ko influencer peuple, ngai motu mimbe kana ko sala na problème. Souvenez-vous, vos noms doivent rester afin que bato bakoya sima. Ba reconnaître bino na sima ba kombo na bino na mbuma nyoso bino bokosala nzama pamula tozali awa contact na biso yali yo kokotiango atana ba kamera ekoleka tana se ba kopesa ngo kasi ba kolandela biso ngo na se na kamera ekoleka o ya biso ya bureau ya ministère na ya musala tozo sala makasi na kati ya mboko ekoleka na se pendant tozo loba ezoleka d'ailleurs. Merci beaucoup. Na kolinga mali bonde.
après 58 ans, et le Roi nous a battu dans mon témoin. Pour relâcher ma parole prophétique pour mon camion. Nakolo Baboui, Ibonde Linanga Yango, Nazolo Bamalo Baboui pour Namboko, Congolais Nyo Sika Jali, Azala branché Atala. Prophète Mokote, Nazo déconnecté Congolais Nyons, na prophète Nyonso, yali banda nanu yamboka ya Congo. Moto Nyonso aza na foi na prophète Songolo, yali banda yamboka ya Congo, azala vraiment déconnecté na ye. To komine l'éco spirituel pour na pays, oye bongi miso ezala branché, na bao yon zamba tindi na siamabele. J'ai besoin de toi au comprendre siko et siko zali, que Congo, éco siko lama. Nase ya continuité spirituelle ya bao yo bazalaka na bao yo bazalika ka ba congolais nazana posa mitema ya bana Congo ezonga nanu na bolingo bible lobi mitema ya bana ebonge zonge pai na batata pe mitema ya batata zonge pai na bana olobi na ngali kolo ya batata o baza pour l'instant je bénis le seigneur pour eux mais nazana posa mitema na bango zonga na batata pour ba pesa biso mai ya tout droit mai ya malam pour na mboka oy parce que message il faut être transité message il faut quitter na koloba na bango nyonso obaza kolanda biso libota ya Congo boza la prene na mitema na biso soki tuzungisi mitema na bolingo moko et que to fani na se to bandi kobela nzambe ya tata tozo koloba nzambe ya batata na biso prière na biso za nzambe ya batata na biso to changer lolenga kobonde. Peut-être quand ça va tata na basaka bandoko yebi sekelete. Nzambe ya batata, le Dieu de nos pères. Nous invoquons le Dieu de nos pères. Nous invoquons le Dieu de notre pays, le Dieu de notre nation. Pour nzambe akozalaka jambe nzambe libanda ya race na yo. Dieu ne viendra pas te trouver en dehors de la race que tu as, ni en dehors du pays dans lequel tu vis. C'est le moment que chaque Congolais soit prêt car Christ est là. Et qu'il est en train de passer comme maintenant. Il est devant ta caméra et te donna des messages, des paroles au travers des de corps qu'il a choisi. J'ai prié, je déclare que les dieux de nos pères, les dieux de nos pères, les dieux qui a marché avec nos pères, les dieux qui leur a parlé concernant notre pays, les dieux qui a libéré la prophétie de notre pays, la grandeur de notre pays, où notre pays arrivera, que ces dieux écoutent toute personne qui est entrée de m'écouter, entrer en contact d'esprit, en contact du souci du cœur, que ces dieux-là se révèlent dans des visions nocturnes, dans des songes, afin que tous nous puissions avoir le même esprit pour ce grand pays, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je crois que Botu Kolanda, la réaction de monsieur le sacrificateur, Aïdji Kabala, il est serviteur, conduisait une grande église ici en Afrique du Sud. Beaucoup réactionnaient. Son souci est que l'église doit revenir au message de nos pères. Quand il n'y a pas de père, il voit Simo Kimbangu. Pas seulement laisser Simo Kimbangu au Kimbanguiste. Il dit encore il faut que l'église rentre au message d'Aïdji Nabala, pas laisser le message d'Aïdji Nabala au Nzambe Malamu. Il a encore dit que l'église doit revenir au message des frères Alain Moloto, pas laisser seulement aux musiciens. Donc l'église doit rentrer à ces messages-là pour que la RDC, sans cela, Bandeko, on va continuer encore à célébrer 59 ans, 60 ans d'indépendance, la chose, le pays va rester toujours de même. Ce n'est pas seulement question des hommes politiques, mais c'est aussi la responsabilité des hommes ecclésiastiques qui sont des pasteurs, des serviteurs, qui sont appelés à conduire le peuple de Dieu pour la restauration de la RDC. Voilà, des commentaires à faire, vous êtes la bienvenue à participer. Moi, c'est Josué Bolo à l'international. Facebook, Josué Bolo. YouTube, c'est Congo Dialogue. Grand prêtre et mère, Francine Nguema de la Belgique, merci beaucoup. Grand merci aussi, coup de chapeau à Steve Mabika, les grands producteurs, hein? Best Gospel Music, dans Ensemble Sala qui tourne au niveau Afrique du Sud. Awa. Merci, Nabom, de bien nous sortir. Bolin, peut participer selon. Cœur pour la libération, restauration spirituelle. Yamboka RDC, vous êtes la bienvenue. On va se retrouver la fois prochaine à un autre numéro. Restez toujours connectés et abonnez-vous. N'oubliez pas massivement sur Congo Dialogue YouTube. Merci, bye. Mbote na bino nyonso, ngai Joyce Boloa. Landa Congo Dialogue pour yemba nyonso ya Congo. Merci beaucoup.